CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. Lundi 17 février 2020, Madame, Monsieur, le Cameroun tel qu'il va en cette mi-journée sur la CRTV, bonjour et bienvenue. Kintabel Kialé, bonjour. Bonjour Dodo. Vous avez les titres du 12h. The 16 teams to rival in the 2020 African Nations Football Championship (CHAN), Cameroon is preparing to host in April, get to know their opponents this evening during the draw ceremony at the multi-purpose sports complex. And to give us a foretaste of what tonight's ceremony will look like, the director of the tournament, Michel Disakembarga, will be our guest on the Midday News. In our magazine page, we take you to the Mandela House in South Africa, where its late president, Nelson Mandela, spent the first 11 nights after he left prison on February 11, 1990. Remember him? He spent more than 25 years in jail to liberate South Africans from apartheid. Those were our top stories. The first part is with you, Dudu. Merci d'avoir choisi la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Le sport en ouverture du journal CHAN 2020. La cérémonie du tirage au sort des poules se tient aujourd'hui au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Tout est quasiment prêt sur le site qui va accueillir les personnalités du football africain. Et sur cette grande actualité, allons y retrouver nos reporters pour les dernières nouvelles. Évariste Yenga, bonjour. Le Palais polyvalent des sports n'attend plus que ses invités, l'Afrique du football qui a rendez-vous sur cette scène qui est déjà apprêtée pratiquement. Le décor est quasiment complet et porte les couleurs de l'événement. Vous voyez le pupitre à partir d'où on va orienter toute la cérémonie. Et juste au fond, vous pouvez voir. Cérémonie du tirage au sort, la scène et toute sa décoration sont bel et bien en place. Et plutôt de ce côté, vous le verrez aussi, tout le dispositif a été apprêté avec ici, vous le voyez, la place du président de la Fédération camerounaise de football, celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, celle du président de la Confédération africaine de football et juste derrière... Il y a des personnalités de la CAF, il y a un peu plus au fond ces tables avec les drapeaux au-dessus. Ce sont les places réservées aux délégations des pays participants au tirage au sort et au CHAN 2020. Chaque drapeau indique donc la table précise du pays concerné avec trois personnes attendues par délégation. Pour l'ensemble de la salle, la cérémonie est ouverte au grand public qui aura accès sur invitation telle que cela a été prédéfinie par le comité local d'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020 qui s'occupe également d'une bonne partie de cette cérémonie officielle du tirage au sort du CHAN 2020. À partir de 18h, il s'agira de la parade artistique organisée par la quatre partie camerounaise dans un espace-temps d'une heure de temps et puis à 19h, la prise en main par la conférence
Confédération africaine de football pour une cérémonie qui va durer 26 minutes pour le tirage au sort. Palais des Sports pour la CRTV. Évariste Eyinga, Claude Bernard Boumet. And we stay in sports to say that the draw ceremony of the 2020 African Nations Championship Cameroon will be hosting come April this year will take place this evening at 7 p.m. at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Ahead of tonight's ceremony, last-minute touches are ongoing to permit the hall for the draw to be ready. Let's join our reporter Baldwin Sama standing by at the Multipurpose Sports Complex with updates. Good day, Baldwin. Well, as you rightly said, Quintabel Kiali, the Yaoundé Multipurpose Sports Complex is getting set for this very important ceremony tonight. As you can see, officials of the Confederation of African Football, CAF, alongside those of the local organizing committee, having final touches as far as the stage is concerned for tonight's ceremony. You can see some of them consulting, trying to fit in one or two details lacking as far as this stage to be fit and to be ready for the official draw ceremony this night. You can see the different flags of the 16 participants. Countries of the 2020 African Nations Championship. The flags are already available, and this is how the sitting position for tonight's ceremony is going to look like. With the sitting positions already arranged, the president of FECAFOOT will sit here next to the Minister of Sports and Physical Education, and this is actually where the president of the Confederation of African Football, CAF, Ahmad Ahmad, will be sitting with some of his close collaborators who will be sitting next to him. And different CAF officials will be seated all around the sitting position reserved for the Confederation of African Football. And everywhere, the sports complex is already beautifully dressed with the lighting system that has been put in place already to permit tonight's ceremony to be quite successful. And I should say that many personalities have been invited to be part of this ceremony this evening, and they will be seated according to different sitting positions made available by the Confederation of African Football. As you can see, Quintabel Kiali, the different sitting positions of the different coaches and their officials from the 16 different participating countries will be sitting according to the positions. You have Mali, you have Morocco, former winners of the Shandal was in 2018, and former host Zimbabwe, Zambia, and host with other sitting positions that have been quite arranged here. I should say everything has been put in place to ensure that tonight's ceremony is a successful one. Back to you, Quintabel Kiali. Thanks, Baldwin. We're looking forward to that ceremony. And we stay in sports as the national football team of the Democratic Republic of Congo are returning to the African Nations Championship after missing out on the previous edition in Morocco. The two-time winners alongside Morocco's Atlas Lions are experienced teams in the continental showpiece. Daniel Ekonde took interest in the highly rated teams as we narrow down to the draw. His report. DR Congo and Morocco are most rated among the 16 teams as a draw comes up this Monday. Congo's Leopards are the only team to have won the Shan twice. They are latest in Rwanda 2016 and are looking to get a third silverware this April. In depth and quality, the country has football clubs in TP Mazembe, AS Vita Club and DC Motema Pembe, all regulars in the CAF Champions League and the CAF Confederations Cup. Morocco are the defending champions of the African Nations Championship and won't hesitate to retain it in Cameroon. Their vibrant football league and two continental giants in Wydad Casablanca and Raja Casablanca put them on the edge of African football. There is also 2018's top goal scorer and best player Ayoub El Kabi to look out for in the Moroccan squad. On the radar too are Libya. Having conquered the 2014 edition in South Africa, the Mediterranean Knights have their sights on going past the 2018 semi-final level. There is also room for improvement among Mali, Guinea and Zambia. Mali are 2016 beating finalists. Guinea were semi-finalists the same year and have made great progress in club football. They pride themselves of Horoya AC, who have reached the CAF Champions League semi-finals twice in a row. Zambia finished third in the inaugural 2009 Shan. Cameroon are not weighted heavy in the competition after failing to win a match in the 2018 finals in Morocco. But on the face of it, the domestic Lions can take a step further from quarterfinalists in 2011 and 2016. They have been training since November 2, a period to build a formidable squad.
Merci de rester sur la CRTV. En rapport avec la principale actualité du jour, le directeur du tournoi, le Chan 2020, occupe le fauteuil de l'invité du 12h ce lundi. Michel Dissakembarga est au cœur de l'organisation de la compétition dont le tirage au sort aura lieu en soirée ce lundi. Entretien avec Évariste Eyenga. L'Afrique du football a rendez-vous ici au Palais Polyvalent des Sports dès les prochaines heures. Rendez-vous pour ce moment crucial, le tirage au sort des poules du CHAN 2020 prévu. Vous le voyez tout juste ici derrière nous, tout le dispositif mis déjà en place. Et ici, c'est le directeur du tournoi, le directeur du CHAN 2020, Michel Dissaké. Bonjour. Ah, bonjour monsieur. Et merci de nous accorder cette interview. Est-ce qu'on peut avoir une idée du déroulé de l'événement de ce soir? Effectivement, je pense que le scénario a été calé et validé par la CAF. Et nous aurons des éléments culturels, nous aurons l'intervention de la CAF qui est réglée entre 25 et 26 minutes. Le tirage sort à proprement parler. Et maintenant, nous aurons des artistes qui vont agrémenter la soirée. Nous attendons les invités à 17h. À 18h, nous aurons le show, le pré-show. À 19h pile, ça sera déjà l'antenne qui sera connectée au niveau international avec l'appui de la CRTV. Alors, c'est un événement de la CAF, on le sait, mais est-ce qu'il y a une touche camerounaise quand même en termes de plus-value? Effectivement, c'est une compétition de la CAF, mais l'organisation est déléguée à la partie camerounaise avec leur appui technique, le savoir-faire et beaucoup de conseils. Donc, à ce qui concerne l'élément particulier, je ne vais pas le dévoiler ici. Question de mettre un suspense dans les cerveaux des Camerounais, les inviter à venir suivre en direct cet événement. Cet événement dont vous parlez aujourd'hui, le tirage au sort, c'est un déclic pour la suite des préparatifs. Après le tirage, de quoi sera-t-il question? Effectivement, c'est un élément très, très opérationnel. Lorsqu'on parle de tirage au sort, ça veut dire que le décor est planté. Directement, il est question d'amener les différents pays représentés ici, visiter leurs différents sites de compétition. Ça veut dire qu'après le tirage sur le jour qui suit, les différents pays qualifiés représentés vont se déporter dans leurs différents sites de compétition pour se familiariser avec leurs hôtels, leurs terrains de compétition ainsi que leurs terrains d'entraînement. Alors, c'est une question qui intéresse au plus haut point l'opinion qui voudrait être rassurée de la répartition des poules. On a l'impression que le stade de Japoma, vu son standing, est peut-être indiqué pour abriter la poule A, qui est celle du pays organisateur. Cependant, d'autres pensent que c'est peut-être ici à Yaoundé. Qu'en est-il exactement? Ah, pour le moment, c'est Yaoundé qui est retenu. Nous attendons les très hautes instructions de la hiérarchie. Mais pour le moment, c'est Yaoundé qui est retenu. C'est vrai que voilà, le stand-in de Japoma, mais la capitale politique reste la capitale politique. Donc, sauf changement de dernière minute, pour l'instant, c'est Yaoundé qui est retenu comme abritant la poule A. Merci, M. Michel Dissaké, de vous être rendu disponible à cet entretien pour le journal de midi. La cérémonie va donc débuter officiellement à 18h par un tour de préchauffe, la parade artistique, et à 19h, la prise en main par la CAF pour la cérémonie officielle du tirage au sort. Palais Polyvalent des Sports, Claude Bernard Mboumé, Évariste Eyenga, CRTV. Merci Évariste Eyenga et merci également à la grande équipe de la CRTV déployée du côté du Palais Polyvalent de Sport pour cette actualité. Madame, Messieurs, en ce lundi 17 février 2020, accordons une attention particulière à un animal devenu rare. Il faut sauver le pangolin, cet animal convoité, compté parmi les espèces en voie de disparition. Les responsables en charge de la question au ministère des Forêts et de la Faune tirent la sonnette d'alarme en cette journée mondiale des pangolins, occasion de sensibilisation. Cathy Nandjou de CRTV Sud-Ouest pour les détails.
Le pangolin fait partie des animaux les plus convoités sur la planète car ses écailles sont utilisées pour plusieurs causes. Cependant, la surexploitation pourrait conduire à la disparition de cet animal qui ne produit qu'un petit par an. Chose qui préoccupe la délégation régionale des forêts de la faune pour le Sud-Ouest qui, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cet animal, a sensibilisé les élèves et ses partenaires sur la préservation de cette espèce. Sensibilisons-nous, avoir un conscient de laisser quelque chose pour l'avenir. Un message visiblement bien assimilé par les plus jeunes. J'ai retenu qu'on doit protéger notre nature et notre pangolin. Cette journée d'échange s'est achevée par une remise de prix aux différentes délégations qui se sont remarquées par leur brillante participation au Botanic Garden de Limbé. Autre volet de l'actualité, la 17e session d'évaluation des manuels scolaires se tient en ce moment même à Yaoundé. La principale innovation de ces assises est l'approche pédagogique, une approche par les compétences. Cette évaluation des manuels des cycles de la maternelle, nursery, one et two, de la CIL et du CEP annonce un changement dans le contenu de ces manuels à la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Pour le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Toundigwa, il est question de maintenir la politique du livre unique par matière. Quintabel Kialé, vous avez la suite du journal. And if you're just joining us, you're watching the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. The Southwest region have been encouraged to be more concerned about protecting the pangolin, which is a very precious but vulnerable wildlife species. The Southwest Regional Delegation of Forestry and Wildlife, with some of its partners, have organized a seminar to school some wildlife protection staff and students from some schools on how to protect this wildlife species. Charles Abonon has the details from Boya. Despite its classification as a Class A endangered wildlife species, pangolins are one of the most hunted animals in Cameroon. The Southwest region and Cameroon has three of the four pangolin species in Africa. That makes it crucial for the population to be educated on their role in protecting this precious wildlife species. It is endangered. I mean the pangolin, I mean the katabif. It is endangered, and so we should protect it. We should conserve it to the best of our knowledge so that posterity, I mean our good, you know, generation that will come to meet a very good environment will be able to also see katabif like you and me have done. Like the students, they are the future generations. So if we inculcate that knowledge in them about wildlife and conservation, I think they will grow with that knowledge and maybe spread it to future generations. The seminar was also an occasion to educate the participants on the legal framework with regards to the protection of the pangolin. Prizes were awarded to the participants at the end of the seminar. In other news, the Yaoundé Linguistic Pilot Center will today be training some 25 newly appointed teachers to the bilingual training program. During this one-week training, they will be equipped on how to teach adults how to use new technologies, adverts linguistic products, and how to promote multiculturalism while teaching. The induction seminar is taking place under the auspices of the Director General of the Linguistic Pilot Center, ADB Brigitte, and the coordinator of the National Bilingualism Program, George Achu. Members of the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Material have converged on Yaoundé for their 17th evaluation session. The session, which will run for 1 week, will focus on selecting new textbooks and didactic material from nursery schools to class 2 in line with the new curricula for the competence-based approach. The session is chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent-Serge Toundigwa, who has called on the members of the council to be fair and select books whose physical look and content fits the quality of Cameroonian education system. The books selected will be used for the next 6 years. Doudou, you have the next part. Nous ne quittons pas le domaine de l'éducation. Quintabel Kialé, promotion de l'excellence en sciences mathématiques dans l'enseignement secondaire. 100 meilleurs élèves des établissements de Yaoundé 3e viennent de recevoir des parchemins suite à leur performance. C'était au cours des Olympiades de mathématiques organisées récemment par le Centre d'études Nalonga de Yaoundé. Michel Renaud, Ouranja.
stimuler le sens de l'effort et la perfection à travers une compétition de mathématiques. C'est l'objectif recherché par les Olympiades ayant regroupé les élèves de nombreux établissements du secondaire de la capitale Yaoundé. Pour cette compétition, le Centre d'études catholiques Nolanga a tenu à saluer le mérite des meilleurs élèves qui se sont distingués dans les sciences mathématiques. Le Centre d'études Nolanga est promu par des Camerounais qui, sous l'inspiration de Saint José Maria Escrivá, se donnent comme but de créer des plateformes comme le Centre où les jeunes peuvent s'épanouir de façon intégrale. Les parchemins ont été remis aux lauréats dans les catégories or, argent et bronze. C'est deux jours avant la compétition même que j'ai commencé à m'appliquer au travail. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était un programme très sérieux. Donc je suis très contente parce que mon travail a payé et j'espère que prochainement je vais avoir plus que ça. Après la remise des résultats pour les évaluations des Olympiades, je me sens un peu bien parce que j'ai quand même fait mes efforts. À travers ces Olympiades, le Centre d'études Nolanga voudrait davantage démontrer la place qu'occupent les sciences mathématiques au quotidien. Parlons politique dans le 12 heures, au moment où le double scrutin législatif et municipal livre ses premiers résultats. Force est de constater que la démocratie camerounaise avance à grands pas. Dans une ville comme Douala, cette période post-électorale est plutôt sereine et c'est une expression de la maturité politique. Olivier Kingemoli, à Douala. Dans la nuit du 9 février, certains acteurs et réseaux sociaux annonçaient victorieux le PCRN sur certaines mairies de la ville de Douala, notamment Douala 3e et Douala 5e. La vérité des résultats officiels tels que proclamés le 11 février était plutôt favorable au RDPC, ce qui n'a aucunement suscité une avalanche de protestations. Tout au contraire. Pour un jeune parti qui a seulement quelques mois d'existence, moins d'un an d'existence, et que nous puissions avoir un écart avec le locataire légendaire de cette commune de 2000 voix seulement, je pense qu'il y a matière à espérer. Et nous allons devoir tirer les leçons de nos échecs. Ainsi se consomment les résultats du double scrutin électoral du 9 février 2020 en général dans la région du littoral, lieu par excellence d'expression et de manifestation du pluralisme politique au Cameroun dans un environnement de démocratie finalement apaisé. Pour mémoire, la région du littoral est la seule sur le triangle national à avoir enregistré le plus grand nombre de protagonistes au rendez-vous du 9 février. 18, pas moins, qui se disputaient les 19 sièges à l'Assemblée nationale et 34 conseils municipaux que compte la région. Jean-Jacques Ekindi, Anissé Kane, Banda Kani, Serge Espoir, Matumba et Limbi Lobé, Jacques Maboula, Sam Baka, Jean-Claude Nitio ou encore Joshua aussi, tous des acteurs politiques très remuants, ont visiblement laissé prospérer le slogan de l'ECAM pour ce scrutin, une élection paisible pour un processus toujours plus crédible. L'époque de la caste post-électoral dans un chaudron politique que constitue la ville de Douala et la région du littoral en général est peut-être révolue pour que seul triomphe la démocratie, n'en déplaise à ses détracteurs. Olivier Kingemoli. Retour à Yaoundé pour parler de l'éducation, des parchemins pour les auditeurs formés en management de la décentralisation à Yaoundé. C'est au terme des enseignements à l'école spécialisée de management des collectivités locales de l'INJS. Cérémonie de remise des diplômes vendredi dernier. La joie des lauréats. Dans ce reportage signé Michel Renaud, Ouand. Avec les exigences qu'impose la décentralisation, la formation au métier de management des collectivités locales est d'une grande importance. Les 242 auditeurs formés aux filières environnement et développement durable local, finance et comptabilité locale, développement sportif et culturel local au titre de l'année académique 2018-2019 ont le profil de l'emploi. Il va falloir booster les collectivités locales pour un rendement meilleur auprès des populations. C'est pour cela que cette formation est nécessaire. La remise des parchemins à ses lauréats de l'École de développement de management des collectivités locales de l'INJS a permis de saluer le dévouement de l'équipe des formateurs. Nous devons mettre à la disposition de la société des cadres bien formés. Et c'est dans ce sens que nous avons ciblé le volet décentralisation et management des collectivités locales décentralisées. La décentralisation pour l'école n'est plus l'affaire de la théorie.
mais de la pratique, de la mise en œuvre. On a déjà trop parlé de la théorie, maintenant on veut parler de la mise en œuvre pour que les populations vivent des effets. Les lauréats de cette première cuvée devront donc mettre leur expertise au profit des différentes collectivités locales. Some 242 students from the National Institute of Youth and Sports have received their end-of-course certificate after 1 year of studies. This was during a ceremony chaired by the director of INGS, Ebal Minier Edmond, at the Ndoume Aboubakar Gymnasium of the school. Details with Alice Mbe. These laureates include those who have undergone 1 year training in local socio-economic development, management of decentralized territorial collectivities, local environments and sustainable development, and local sports and culture. We have to boost the local collectivity to render good services to this population. This training is really necessary for the benefit of all. The director of INGS urged them to implement knowledge acquired during their studies in order to be competent on the field. We have put 265 operators in the market, and we hope that local collectivities will benefit from it. The solemn ceremony falls in line with the head of state's vision to include youths in the development of Cameroon. Council sessions as of right following the February 9 municipal election will either take place on February the 18th or the 25th, corresponding to the second Tuesday after the proclamation of the result of the polls. The Minister of Decentralization and Local Development has written a circular letter to the senior divisional officers who are the local competent administrative representatives to scrupulously respect the legal provisions governing such elective sessions. Kilian Dandifon has an analytic reading of the circular. The circular of the Minister of Decentralization and Local Development falls within the legal framework of the December 2009 General Decentralization Code and the 2012 provisions of the current Electoral Code, which state that the results of municipal elections shall be proclaimed by council supervisory commissions within a maximum of 72 hours from the close of the polls. The electoral law also makes it clear that the council sessions as of right shall take place on the second Tuesday from the day of the proclamation of results. The sessions as of right deal with the election of the mayors and their deputies. The February 9 municipal elections took place on Sunday, and results which were proclaimed on that Sunday evening or on February 10, the next day, the councils involved will hold their sessions as of right on February 18, while those proclaimed on Tuesday or Wednesday will take place on February 25, corresponding to the second Tuesday from proclamation of results in either case. Another thing the circular points out is the election of the city mayors by the subdivisional mayors, who are eligible but must give up the municipal position if elected as city mayor. The circular of the competent Minister of Decentralization and Local Development to the senior divisional officers, who are government representative authorities of territorial decentralized entities, calls on them to ensure a strict respect of the legal provisions. And here we are in our magazine page, as this year marks 30 years since the late South African president Nelson Mandela left prison. He spent more than 25 years in jail to liberate South Africans from the apartheid rule which practiced racial segregation. Our chief international correspondent Charles Ebune has been to the Mandela House in South Africa, where the late president spent the first 11 nights after he left prison on February 11, 1990. His report. A fight seems like the journey of the major in these centuries exploited gold mines, with a fair semblance of George Orwell's Animal Farm. You got it. We are in Soweto, Johannesburg, Gauteng Province, South Africa, along the Vilakazi Street, Orlando West.
Acquired by Mandela's first wife Evelyn Massey, plus 7 decades ago, numbered 815. You are welcome to it, Ubuntu, the South African togetherness at the Mandela House. Welcome to Orlando West, welcome to Soweto, Mandela House. Today, one of the most visited places in South Africa. This is the Mandela House, where he spent the first night after leaving prisons 30 years ago. This is the same bed where Nelson Mandela spent 11 months. As soon as he left the Robben Island prisons in 1990. The house is an embodiment of the Nelson Mandela's life. The memorabilia tells the story better. I am just visiting Mandela's house because of the rich cultural heritage this house has, the impact that it actually in terms of historical value as well. This house is the center of my life, Nelson Mandela notes in his autobiography, The Long Walk to Freedom, and workers here attest. And behind me, this tree, it was planted by him, Mr. Mandela, is called Meleluka. Under the tree, they bury the umbilical cords of his children, different generations. Although forbidden, the guides on duty exceptionally accept I sleep on this plus 75 years old bed. Charles Ebune, CRTV News, on the Mandela bed, Soweto, South Africa. Et voilà qui met fin à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, messieurs, de votre attention, merci. Kuntabel Kiale, excellente journée. Meilleur à vous, Doudou. Tirage au sort du CHAN Cameroun 2020 sur CRTV, CRTV Sport et CRTV Web, suivi du débrief des poules sur CRTV Sport. CRTV au cœur de la nation.